Rien de mieux que du délicieux petit gâteau pour oublier une mauvaise journée d'école. Oh, c'est trop bon. Mais en plus, je crois qu'il va me falloir un bon film. Oh, mais il n'y a plus de wifi. Ah, tiens, un message. Comment c'est possible, il n'y a plus de wifi? Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut, Angela? Écoutez son message. La dernière vidéo de Troum Troum. Angela, tu regardes Troum Troum, toi? Qu'est-ce qu'elle me dit, là? Oui, ça m'aide beaucoup à comprendre les humains. Non, mais attends, Troum Troum, c'est pas la réalité. C'est même complètement l'opposé. Écoutez ça, les amis. La dernière vidéo Troum Troum était tellement romantique. C'est plein de tutoriels géniaux, regarde. Oh, elle m'envoie un lien vers la vidéo. Oh bah Angela, parlons-en des tutoriels absurdes de Troum Troum. Y'a rien qui marche dans les tutoriels Troum Troum, y'a rien qui marche. Elle m'écrit quoi? Verity, tu es une jalouse. Angela, j'avais pas réalisé comme tu étais idiote. Je te prouvais que Troum Troum, c'est vraiment n'importe quoi. Regarde, je t'envoie trois vidéos au hasard. Allez, petit chaton, je vais te prouver que chez Troum Troum, y'a rien qui marche. C'est parti. Et vous les amis, abonnez-vous pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Tu veux grignoter quelque chose en classe? Croque un morceau de ta gomme, mange un fruit sur une broche et fais des bulles avec du scotch. Suis nos instructions étape par étape pour apprendre à introduire de la nourriture en classe dans notre nouvelle vidéo. Troum Troum! Aujourd'hui, c'est la rentrée. Verity a dissimulé de la nourriture sur ses vêtements. Elle a fait le plein des friandises. Oh non! Il est interdit d'apporter de la nourriture en classe. Verity va devoir se débarrasser de toutes ses friandises, même les plus délicieuses. Ses amis vont être déçus pour cette rentrée scolaire. Verity n'a plus rien dans les poches. Elle peut maintenant rentrer en classe. Oh non! Mais cette nouvelle école est vraiment très stricte. Il est affiché partout qu'il est interdit de manger de la nourriture en classe. Mais heureusement qu'elle a plusieurs tours dans son sac. Regardez la suite de cette vidéo et vous allez comprendre. L'heure de classe a commencé et la prof est en retard. Pourquoi pas regarder Instagram à la recherche des vidéos de slime. Il y a toujours beaucoup de choses à faire à l'école. On doit liker de nouvelles photos, se raconter nos vacances et inventer de nouveaux moyens pour piéger notre prof. D'ailleurs, la voici, c'est Mademoiselle Smith. Il faut qu'on cache immédiatement toutes nos affaires perso sur le bureau. Mademoiselle Smith n'aime pas que les élèves passent leur temps sur Instagram plutôt que d'étudier. La quantité de likes qu'elles auront n'aura pas d'impact sur leurs notes. Verity n'a pas fait ses devoirs des vacances et Mademoiselle Smith l'a bien compris. Elle va commencer à devenir complètement incontrôlable. Verity doit être gentille envers Mademoiselle Smith immédiatement. On a justement une jolie baguette pour elle. Trouve des bonbons mous. Ouvre-en quelques-uns. Ramollis-les en les chauffant entre tes mains. Connecte les morceaux pour former un long bonbon. Enroule-les autour d'une baguette chinoise. Lisse la surface. Ta baguette est maintenant prête. Ce n'est pas une très bonne idée d'approcher Mademoiselle Smith quand elle est en colère. Elle détruit tout sous son passage. Heureusement, la vision de cette jolie baguette semble l'adoucir. Mais la voilà maintenant suspicieuse. Oh non, voilà que Mademoiselle Smith est de nouveau en colère. Elle casse même la baguette chinoise. Les bonbons ne calment pas Mademoiselle Smith. Elle se transforme en professeur fou de rage. Mais pourquoi tout jeter sur ses élèves? Tu veux en savoir plus sur cette astuce? Rejoins-nous sur Instagram! Troum Troum! Aujourd'hui, à l'école, on a cours de science.
Mademoiselle Smith nous demande de recopier le cours sous nos cahiers. Mais elle n'a rien écrit sur le tableau. Que ce cours est ennuyeux! Heureusement, Verity a un rouleau de Ooba Booba caché sur sa chemise. Ouvre-le vite! Mais rappelle-toi qu'il est interdit de manger en classe. Heureusement, Verity a une idée. Trouve un dévidoir de scotch. Ouvre-le, mets un anneau sur le support central. Ouvre le Ooba Booba, sors-le délicatement de sa boîte. Enroule tout le Ooba Booba autour du support central. Une fois terminé, assemble le dévidoir et sors l'extrémité de la bande de chewing-gum. Mon chewing-gum est bien caché maintenant. J'ai du Ooba Booba à la place du scotch. Il est temps de le dévorer sans se faire prendre par la prof. Mademoiselle Smith passe son temps à se maquiller sans se soucier de ses élèves. Mais oui, voilà une scène parfaite à poster sur mon compte Instagram, se dit Verity. Mademoiselle Smith est dans son monde et elle ne pense plus à rien. C'est parfait pour filmer une histoire qui va faire du buzz dans toute l'école. Attention Verity, Mademoiselle Smith vient de te repérer. Cache vite ton téléphone et jette ton chewing-gum. Trop tard. C'est maintenant au tour de Mademoiselle Smith de te rappeler qu'il est interdit de manger en classe. Sous peine de se faire confisquer ses fournitures scolaires. Oh non! Mademoiselle Smith a confisqué le faux dévidoir de scotch. Espérons qu'elle ne découvre pas l'astuce de Verity. Catastrophe! Elle passe à l'attaque. Elle devient folle de rage et commence à détruire le rouleau de Ooba Booba de Verity. Vite, tous aux abris! Il pleut de chewing-gum. C'est une tempête de boulettes de Ooba Booba qui s'abat sur Verity. Stop! Ne jetez plus! Le frigo est plein! Troum troum! Verity a son ventre qui gargouille. Des Oreos à la place des lingettes est une autre astuce pour faufiler de la nourriture en classe. Enlève quelques lingettes pour faire de la place. Ouvre un paquet d'Oreos. Enveloppe chaque cookie dans du papier aluminium. Fais plusieurs grosses pièces d'argent. Remets-les dans le paquet. Remets la languette. Attention, ton stylo a dérapé. Tu as besoin de te nettoyer les mains? On a une offre spéciale. Ouvre un paquet de lingettes et prends un Oreo. Fais une pause, prends un goûter et fais un selfie pendant que Mademoiselle Smith ne te regarde pas. Comme il fait chaud aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a des lingettes en classe? Alerte! Mademoiselle Smith a confisqué le paquet de lingettes. Espérons qu'elle ne remarque rien. Mais que voici donc? C'est quoi ces pièces d'argent à la place des lingettes? Mademoiselle Smith est en train de découvrir notre astuce. Ça se gâte! Elle ouvre toutes les pièces d'argent maintenant. Mademoiselle Smith rappelle à nouveau qu'il est interdit d'apporter de la nourriture en classe. La voici complètement incontrôlable maintenant. Troum troum! Ce tube de colle est bizarre. Est-ce que c'est un tube de colle? Non, c'est un tube de bonbons. Utilise à nouveau ton paquet de bonbons mous. Sors-en quelques-uns. Ouvre-les délicatement. Presse le tube de colle vide sur un premier bonbon. Enlève les morceaux de bonbons superflus. Lisse le bonbon avec tes doigts. Verity a besoin de coller son pliage. Voici un tube de colle très particulier. Il sent bon et il est sucré. Verity peut même le croquer.
Oh non, Mademoiselle Smith a tout vu. Espérons qu'elle ne confisquera pas ce bâton de colle transformé en bonbon. Mais le mal est déjà fait. La voici qu'il revient à son bureau. On dirait qu'elle est fière d'elle. Elle a démasqué Verity. Personne ne peut rien lui cacher. C'est maintenant la prof qui est à l'honneur. Mais le pire est à venir. Mademoiselle Smith commence à comprendre l'astuce. Mais il y a quoi dans ce tube de colle? Quelle étrange odeur! Cela me rappelle quelque chose. Quoi? Encore des bonbons? Verity, combien de fois je dois te rappeler qu'il est interdit de manger de la nourriture en classe? Non, Mademoiselle Smith, ne jetez pas le faux bâton de colle! Alors, petit chaton, j'espère que tu as bien aimé ma vidéo. Alors, abonne-toi! Alors, bonne école à mes copines, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois, les amis. Gros bisous!